m'appelle Maxime Huette-Montséron, je suis le metteur en scène de la pièce Les Combustibles d'Amélie Nothomb, qui est la première production de la compagnie Sortez de chez vous. L'histoire, donc, c'est trois personnages, donc le professeur, Daniel et Marina, qui se retrouvent dans l'appartement du professeur, car la guerre a détruit les appartements respectifs de Daniel et de Marina. Ça raconte du coup comment ces trois personnages vivent ensemble en période de guerre, sous un petit peu la tyrannie du professeur. La grande question, c'est faut-il brûler les livres pour se réchauffer, puisqu'il ne reste plus que ça pour se chauffer. Si cette guerre a pu vous apprendre que nous étions des animaux, c'est déjà bien. Ah, votre bonne humeur m'énerve. Puis pourquoi ne mettez-vous pas votre manteau? Vous avez trop chaud. Je suis chez moi. Je ne porte pas de manteau quand je suis chez moi. Alors ça, c'est l'argument le plus inepte que j'ai jamais entendu. Où est-il ce manteau? On ne vous a rien demandé, Daniel. C'est ridicule, vous êtes bleu de froid. Vous allez me faire le... Je ne le mettrai pas. Quel est ce comportement grotesque? Votre manière de continuer le combat, c'est de donner cours comme avant. Ma manière, c'est de ne pas porter de manteau quand je suis chez moi. Les trois comédiens donc, se nomment donc, Nordine Merniz, donc, qui est aussi celui qui a créé la compagnie, qui joue le rôle de Daniel. Le professeur est joué par Patrick Brouin, qui est maintenant à la retraite et qui travaille anciennement à la mairie de Tours. Et la troisième personne, c'est Marie Chaperon, donc le seul personnage féminin, qui joue donc Marina et qui est actuellement en étude à la Sorbonne. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que votre chère étante ne me laisse pas le droit d'être idiot. Si vous ne voulez pas de votre manteau, moi je le veux bien. Si nous nous mettions à brûler les livres, alors vraiment nous aurions perdu la guerre. Nous avons perdu la guerre.